J'ai eu une enfance qui a été très très marquée par ça et qui fait que quand je me suis senti assez libre pour écrire, pour créer un petit monde à moi, instinctivement je suis allé vers le monde américain et je m'y sens bien. Vous savez, ce livre-là, il est né beaucoup de ce que. La collection, c'est un écrivain s'empare d'un fait divers et le transforme en roman. Je crois que la littérature, elle est devenue, le mot, c'est pas par prétention que je veux dire, elle est devenue iconique. Vous connaissez le fameux incipit, la première phrase, la marquise sortit à 5 heures, ou à 3 heures, je ne sais plus à quelle heure est sortie la brave dame. La marquise sortit à. On ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. On serait obligé de dire la marquise, qui portait une robe verte, sortit à 5 heures et monta dans sa Mercedes bleue. C'est-à-dire qu'on serait obligé d'enrober la marquise d'une série d'images, parce que le lecteur est tellement habitué à vivre dans un monde d'images. Nos ordinateurs produisent des images, nos téléviseurs produisent des images. Quand vous allez dans un aéroport pour trouver des toilettes, c'est enfantin. Tout le monde sait, c'est la petite dame avec son petit truc, sa petite jupe, ou le petit bonhomme qui a l'air d'un Lego. On est dans un monde où, bon, il n'y avait pas de raison que la littérature échappât à cet iconisme. Et donc, les livres aujourd'hui, peut-être les miens davantage encore, parce que je suis pétri de culture de l'image, j'aime partager avec le lecteur une ambiance, une atmosphère. J'aime quand les gens me disent, ah, j'ai vu. J'ai vu. Il y a une scène dans le livre que je trouve personnellement pas trop mal fignolée, quoi, qui est un des meurtres, pas celui de l'héroïne, mais un meurtre antérieur, avant, parce que j'avais tous les ingrédients d'une bonne mise en scène ou d'une bonne mise en image. La neige, la nuit, dans cette neige et dans cette nuit, une victime qui est une femme noire, le tueur. Les lumières des phares des voitures. Enfin, je veux dire, moi, je voyais l'image et je l'ai écrite sans aucun problème. Et je me dis, j'espère que cette scène-là, les lecteurs la voient, parce qu'un livre, c'est de donner à voir aussi. Mais comment vous arrivez à vous mettre dans la peau de la jeune fille? Parce que tout ce que vous dites est d'une certaine manière inventé. Quand elle tombe sur les fesses arrière, Ça, je l'ai inventé. Elle a froid aux fesses, elle a une balle là, elle ressent ça, est-ce que ça sort par l'autre côté? Tout ça, vous inventez. Ben, j'essaye, en partant d'un point A, c'est que je veux aller à un point C. Entre A et C, il y a B. Donc, est-ce que j'invente B ou est-ce que je fais surgir B? Moi, j'ai l'impression de faire plutôt sortir d'un chapeau un lapin qui y était déjà. Que les gens ne voyaient pas, mais le lapin était dans le chapeau. Donc je le fais sortir. Mais se mettre à la place des gens, des personnages de romans, je crois qu'il y a deux raisons, enfin deux méthodes. L'une, je le dis très très simplement, mais c'est vrai, j'aime les gens. J'aime l'humanité. Je trouve que l'humanité, elle est formidable. On est tout le temps à taper dessus. L'homme progresse. Il progresse lentement, je suis bien d'accord. Mais il progresse. Il sera de mieux en mieux. Et bon, c'est une première raison. Et donc je suis, moi, à très admiratif de l'être humain. La deuxième, donc j'essaye de le comprendre, quand on aime, on comprend, on écoute. Et la deuxième raison, c'est que j'ai été journaliste, et j'ai été un journaliste d'interview. C'est-à-dire que j'allais voir les gens et je les questionnais. Il faut être très humble quand on fait ce genre de truc. Il faut écouter la personne pour essayer de restituer, pas ce qu'on pense soi, mais ce qu'elle, cette personne a dit. Et je fais pareil avec mes personnages de roman. Kitty, j'ai interviewé Kitty. Je lui ai dit, tu es un ange au ciel, j'ai deux, trois questions à te poser. Comment est-ce que tu as vécu l'angoisse, la peur, la souffrance, la mort? Alors, je vais me dire, oui, mais vous avez inventé ces réponses. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est une démarche très attentive au personnage, vous voyez. Parfois, ça va jusqu'au malaise. Quand j'ai écrit un téléfilm qui a très bien marché, mais qui était très dur à écrire, qui était dans la tête d'un tueur sur l'affaire Francis Holm. J'ai été pendant pas loin d'un an et demi, je crois, à travailler sur ce film, et donc à être dans la tête d'un tueur en série, et pas des moindres. Et quand il y a ces scènes d'horreur, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles ouais, sont, c'est gore, ouais. C'est terrible, de viol, et puis de choses terribles que vous décrivez, vous vous mettez à la fois à la place de celui qui commet ce viol et à la place de la jeune fille. Et dans les deux cas, c'est plausible. C'est ça qui est incroyable. Et vous dites une phrase que j'ai relevée, vous dites, alors là, je voudrais que vous en parliez, celui qui n'a, ça m'a un peu gêné ça, mais vous avez raison en même temps, celui qui n'a pas de pouvoir sur la mort n'a en réalité aucun pouvoir. C'est écrit dedans. Ouais. Et je suis d'accord avec vous.
Mais est-ce que réellement, il faut aller jusqu'à ces extrêmes? C'est ça le personnage principal, il va jusqu'à cet extrême. Entre Kitty et son assassin, il y a un troisième personnage qui est la mort. L'un la donne, l'autre la subit, mais ils parlent le même langage. Curieusement, c'est deux êtres qui ne sont pas faits l'un pour l'autre, puisqu'il y en a un qui veut détruire l'autre. Curieusement, il y a un moment où ils sont à l'unisson. Et c'est quand la mort intervient. C'est une chose qui m'a toujours à la fois frappé et bouleversé dans le cas d'un meurtre. C'est qu'il y a un moment, il y a cette extraordinaire union entre le tueur et la tuée, ou le tué, parce que ce n'est pas forcément des femmes qui sont tuées, bien que ce soit. Mais c'est la mort qui les unit, qui les réunit. Ouais. Et je crois qu'on n'a effectivement aucun pouvoir si on n'a pas le pouvoir sur la mort. Moi, je m'amuse beaucoup à voir les puissants de ce monde parader. Ils ont raison de parader parce qu'ils représentent des États et tout. Mais ils sont très forts. Ils sont suivis par des hordes de porte-avions et des avions de chasse qui volent au-dessus d'eux. Tout ça est très, très puissant. Et vous dites, oui, mais si quelqu'un meurt devant toi, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Donc, qui n'a pas de pouvoir sur la mort n'a aucun pouvoir. Seul Dieu a un pouvoir sur la mort, et pour ça, c'est pour ça qu'il est le Tout-Puissant. Nous, on n'est rien du tout. Alors, on arrive à ce qui, bon, vous lirez la suite, hein, mais ce qui est le cœur même du livre, je trouve, c'est la lâcheté. C'est clair que c'est le postulat du livre, et ça, c'est la vérité. 38 personnes ont assisté pendant 35 minutes, derrière les vitres de leur appartement, au massacre de Kitty Genovese, sans bouger. Sans bouger, sans même décrocher leur téléphone. On a fait une expérience en laboratoire, le même type d'expérience que celle dont vous parliez, que j'ai raconté, de la soumission à l'autorité, et on s'est aperçu qu'il y avait une délégation de responsabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes en détresse et vous avez 10 personnes qui sont témoins de votre détresse, sur ces 10 personnes, elles vont toutes se dire « c'est celui d'à côté qui va intervenir ». Et là, les 38 témoins qui sont dans l'immeuble en face, qui dominent la scène du crime, qui sont derrière leur vitre, ils savent qu'il y a d'autres fenêtres éclairées, ils se disent, c'est mon voisin de droite ou le voisin du dessus qui va intervenir. Ils ont délégué la responsabilité de l'intervention. S'il n'y a plus que 5 personnes, vous avez beaucoup plus de chances d'être secouru. S'il n'y a que 2 personnes, vous avez vraiment des chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, paradoxalement, mais je m'en veux en même temps de vous dire ça, parce que c'est un conseil bizarroïde, si vous prenez la nuit un train ou une chose un peu comme ça, vous risquez d'être, on ne sait jamais, hein, de se faire agresser à 4 ou 3 heures du matin, un métro, je ne sais pas. On a tous tendance à choisir le wagon où il y a du monde. C'est probablement une erreur. Il vaut mieux choisir le wagon où il y a 2 personnes. Ah bon ? L'une étant le tueur, probablement d'ailleurs, ou l'agresseur. Mais parce que l'autre, il va intervenir parce qu'il n'y a que lui pour vous aider et qu'il ne supportera pas que de voir quelqu'un périr sans rien faire. Ce qui m'intéresse dans le cas, plus que tout dans le cas de Kitty Genovese, c'est pas le meurtre qui est horrible en soi, et c'est pas la chose la plus agréable à écrire. C'est ces gens qui ne bougent pas, parce que je me dis que nous sommes tous comme eux. Qu'est-ce qui les sépare de cette jeune femme qui est en train d'agoniser là en bas, de perdre son sang et de mourir? Ce qui les sépare, c'est une vitre, la vitre de leur appartement. Quand nous, on regarde les tours de New York qui s'effondrent, tsunami, Gaza, enfin n'importe quel drame gravissime qui secoue la planète, on le regarde à la télévision, et une télévision, c'est essentiellement un écran vitré. Donc j'ai eu l'impression, en lisant ce fait divers, qu'il était terriblement un miroir, c'est le cas de le dire, de ce qu'était notre société, qui voit tout à travers une plaque de verre, parfaitement propre et transparente, mais qui interdit d'intervenir. Peut-être qu'ils n'étaient pas si lâches que ça. Ils sont à la télé, ils regardent un spectacle qui est devenu non humain parce qu'ils ne peuvent pas le toucher. Merci beaucoup Didier Decoin. Merci à vous. Oui, je viendrai. Je viendrai.